Salut à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans Model and Star Story, votre nouveau programme présenté par votre humble serviteur Graxi Jetem Moubiaï. Ce programme est dédié aux mannequins, mais aussi à toute personne évoluant dans cette industrie de la mode des Kinshasa, pourquoi pas de la RDC. Alors, nous avons reçu pour vous sur ces plateaux un mannequin professionnel qui évolue d'ailleurs très bien ici au Congo Kinshasa. Elle est là pour pouvoir répondre à nos différentes questions qui lui seront posées tout à l'heure. Mais avant de poursuivre cette émission avec elle, nous allons vous présenter un portrait qui lui définit d'ailleurs mieux. Et après ça, nous allons se retrouver juste après pour continuer avec notre chère demoiselle Priscilla Ouelo. Priscilla Ouelo est originaire de la RDC et a vu le jour le 24 mai 1997 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Née d'une famille récompensée de 7 enfants au total, cette dernière serait l'aînée chez sa mère et la benjamine chez son père. Diplômée d'état en latin philosophie au collège Munganga, elle va vite poursuivre ses études supérieures dans l'une des prestigieuses universités de la capitale, UPC, Université protestante au Congo, où elle obtiendra son graduat en droit public international. Sa passion pour le mannequinat surgira quand elle a 14 ans, certes à l'adolescence, où elle va participer dans plusieurs activités scolaires dont boom, bal, journée culturelle et autres. Et comme cela a été ancré en elle, elle va faire de cette passion une profession quand elle atteint la majorité, en s'inscrivant dans une agence de la capitale pour une carrière professionnelle dans le métier de mannequin auprès de Amigo Agency. Et comme cela ne suffisait pas, elle va vite intégrer Eclipse Agency, présidée par Monsieur Sonny Kamana, le faiseur de roi, où elle va vite se propulser en tant que mannequin professionnel et avec plusieurs apparitions publiques et médiatiques. Elle va alors faire son nom et trouver son statut de mannequin professionnel de Kinshasa. 3 ans après, cette beauté de 1m73 va alors décider de quitter l'agence pour des raisons personnelles et ensuite évoluer en solo et être indépendante. Il faut noter que son parcours l'a également permis de faire la rencontre de plusieurs photographes professionnels reconnus pour des talents exceptionnels, à l'exemple de Dan Mouchia de Matouche Numérique, qui après avoir apprécié son talent et sa morphologie, ils vont faire d'elle une égérie pour des différents projets de leurs entreprises. Si là où elle reste des meilleurs mannequins pour la vie, car pour elle, la bataille continue et rêve des grandes choses d'avenir. Alors, bonjour, chère madame, bien demoiselle. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle Priscilla Ouelo, vous êtes top modèle. Oui. Ça évolue très bien. Très bien, merci. Vous êtes confortable, hein? Plus ou moins. Alors, nous sommes ravis de vous recevoir ici sur notre plateau des modèles and Star Story. Donc, vous êtes notre star d'aujourd'hui. Alors, déjà, pour ma toute première question, vous venez de voir votre portrait en image. Et voilà, c'est quoi votre commentaire? Et selon les parcours qu'on a lié sur l'image, voilà, d'où vous est venue cette idée de devenir top modèle? On vous a cité là dans le portrait. Bien, j'étais toute petite. J'avais une grande sœur qui était mannequin à l'époque. Je crois avoir 8 ans à l'époque. J'avais 8 ans. 8 ans à l'époque. Oui, j'avais 8 ans seulement. Et je l'imitais, j'aimais bien, elle était mannequin, elle travaillait d'ailleurs dans l'une des agences par lesquelles je suis passée. C'est quelle agence? Eclipse Agency de Sonny Kamana. D'accord. Elle a travaillé là-bas. Et vu que je l'appréciais tellement, elle avait une taille plus ou moins comme la mienne à l'époque. À l'époque, elle était comme moi et aujourd'hui, je suis comme elle. Ouais. Alors, vu que j'ai l'imité, j'avais cette idée en tête. C'est vrai que j'avais d'autres rêves, mais après, le mannequinat, c'était un peu comme une passion que je devais poursuivre. Et voilà. Et quand j'ai pris de l'âge, à 14 ans, j'ai commencé à défiler à l'école dans de différentes activités. Voilà, merci. Dans de différentes activités. Et après,
Mon père s'y opposait. J'ai arrêté. J'étais encore mineure, c'est normal qu'il s'oppose. Et vu que c'était à l'école, il ne disait rien. Il refusait. En fait, il s'opposait à l'idée d'aller travailler dans une agence. Mais puisque c'était à l'école, c'était une activité scolaire et tout, ça passait. Et du coup, après avoir obtenu mon bac, j'ai carrément arrêté. Et un jour, alors que j'étais déjà à l'université, je crois en 2015, j'étais approchée par un photographe. D'accord. Strong Believe m'a dit qu'il appréciait ma taille et que je pouvais faire une lingerie parfaite pour ses photographies. Et du coup, il m'a pris en photo. Et quand j'ai vu les images, je me suis inspirée en fait. J'ai dit, pourquoi pas me lancer une fois de plus dans le domaine de la mode, du mannequinat et tout. C'est alors que je me suis dit d'aller me faire une recherche, de trouver une agence où je pourrais recommencer à zéro et voilà. Et je suis tombée sur Asma, Amigo Star, modèle agency. Amigo Star, on le salue d'ailleurs en passant. Oui, d'ailleurs que je le salue aussi. Mmh. Et quand j'ai commencé chez Amigo, j'ai passé 3 mois dans son agence. Mmh. Et là, j'ai fait le premier défilé de ma vie. Ok. Le défilé de haute coiffure. Ah. C'était un premier défilé. Et après ce défilé, je me suis dit que je ne pouvais pas m'arrêter là. En fait, je voulais un truc un peu plus professionnel, quoi. Voilà. Alors, j'ai continué à chercher et je suis tombée sur Eclipse, sur Facebook. Je suis tombée sur la page d'un mannequin de l'Eclipse, d'ailleurs. Oui. Et j'ai écrit. Agency. Oui, j'ai écrit. Ils m'ont dit de passer à la répétition un certain jeudi. Voilà. Et c'est ce jeudi-là que je suis arrivée. Ils m'ont accueillie, d'ailleurs, chaleureusement. Et j'ai commencé à évoluer. J'ai fait plusieurs défilés là-bas, plusieurs fashion shows, et voilà. Alors, déjà, vous venez de commenter votre parcours qui marque le début de votre carrière, déjà depuis 8 ans et tout ça. Vous avez à un moment donné parlé de parents, ton père ne voulait pas. Et comment se fait-il qu'à un moment donné, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes mannequin et vous avez arrêté et vous poursuivez cette carrière? Maintenant, le fait qu'il soit opposant et aujourd'hui, accepte-t-il cela ou bien tu le fais en cachette? Ah, déjà, fait à son âme, hein, mon père. Ah, fait à son âme. C'est pas parce qu'il est mort que j'ai repris. C'était quand même quelque chose. Une passion. C'était un peu libre à moi, non, de choisir. Voilà. J'étais déjà majeure quand j'ai repris la route du mannequinat. J'étais déjà majeure. Et voilà. C'est vrai que ma mère, à des moments, elle pète les plombs, mais après, elle n'a pas de choix. Waouh. Alors, voilà, vous avez répondu. Maintenant, vous êtes étudiante, déjà en droit, oui, public sûr. International. Exact. Et en même temps, mannequin, c'est quand même un métier noble que vous faites des études de droit quand même. Non, aujourd'hui, c'est ça, top modèle. Tout le monde voit le droit comme une barrière au mannequinat, mais en fait, quand tu le fais avec des sens, ça fait quoi, ça? Il n'y a pas de barrière. Dans toutes les photos, non, je ne crois pas avoir fait une photo de prise à caractère extravagant. Une idée. Non, je ne crois pas. C'est vrai qu'il y a des prises en piscine et tout, mais ça, c'est normal, c'est une vie, non? Oui, c'est normal, voilà. Mais à un moment donné, vous faites les droits, c'est quand même noble. Ça pourrait peut-être un jour. Le droit est noble, le mannequinat est noble aussi, non? Alors, les métiers de mannequinat ici au Congo, comment évolue-t-il? Voilà, en termes même des rémunérations, la société congolaise, on vous considère vraiment comme des personnes assez respectables qui... D'abord, pour le respect, il faudra se faire respecter. Ça, ça va de soi, c'est personnel. Tu te fais respecter, on te respecte. On ne te fait pas respecter, on te traite de tout. Et ça, c'est pour le respect. En ce qui concerne la rémunération ou l'évolution de la mode à Kinshasa ou au Congo, c'est un truc... J'ai toujours dit que le mannequinat en soi était encore au bas de l'échelle au Congo. Un mannequin n'est vraiment pas... En fait, il faut dire qu'on ne peut pas seulement vivre du mannequinat. S'il faut vivre du mannequinat au Congo, je dirais que ça serait quasi impossible. Il n'y a qu'un seul événement de la mode, vous imaginez? Un seul. Lequel? Un seul, sans compter les défilés qui se passent dans des agences qui, d'ailleurs, ne sont pas très nombreuses à Kinshasa.
Alors, s'il faut payer tous les mannequins, vous voyez, ce ne sera pas grand-chose. Et c'est quoi cet événement-là auquel vous comptez le plus? C'est vrai que j'ai jamais défilé au Congo Fashion Week, mais bon, c'est le Congo Fashion Week. Congo Fashion Week. Oui. Oh là là. Alors, vous êtes mannequin, vous avez répondu sur le fait que, voilà, l'industrie, il y a juste un événement qui compte. Alors, dans d'autres événements, comme ça, sont très rares. Et c'est ça ne vous permet pas de vous exprimer tant que mannequin. Vous êtes quand même une star. Hein. On voit sur les réseaux sociaux et tout. On ne s'exprime pas assez. En un an, tu peux défiler une fois. Vous voyez ? Une fois, tu défiles en une année. C'est quand même peu, non ? C'est très peu pour un mannequin qui doit se démarquer et tout. Et du coup, ça ne nous aide pas. Ça ne vous aide pas. Alors, y a-t-il un intérêt que vous poursuivez ? Quand bien même que ça ne... Vous êtes toujours top model, quand bien même que ça ne paye pas trop, il n'y a pas assez de rémunération. Et... Il y a toujours de l'intérêt. Il y a toujours de l'intérêt. C'est vrai que c'est une passion que j'aime, que j'adore. J'aime être mannequin. J'aime être dans ma peau de mannequin. J'adore. Et du coup, il y a aussi un intérêt lucratif. Comme bien que ça paye pas bien. Rien de plus. Même 10 francs, tu en auras. Bah oui, normalement, j'ai travaillé. Après, il faut quand même, non? Alors, Priscilla Wello, nous avons, dès le début de cette émission, suivi votre parcours à travers un portrait. Surtout sur vos collaborations. Tu peux nous en parler plus? Bien sûr. En fait, en termes de photographie, le premier avec qui j'ai collaboré, c'était Strong Believe, que j'ai connu personnellement. On habitait ensemble dans une même parcelle à l'époque. Et c'était un photographe très talentueux. D'ailleurs, c'est lui qui m'a redonné l'envie de redevenir mannequin. Parce que j'avais arrêté. Ensuite, après, quand j'ai intégré des agences par lesquelles je suis passée et tout, j'ai fait la connaissance de Dan Mouchia. Oui, de ma touche numérique. Salut, d'ailleurs. Oui, aussi. De ma touche numérique, grâce à Sony, hein, le président Sony, le faiseur du roi. Oui, voilà. C'est grâce à lui. Il avait demandé à ce qu'on passe faire une séance photo, que je n'ai jamais faite d'ailleurs. Mais après quelques mois, alors que les amis envoyaient des photos et que moi je n'en avais toujours pas, un collègue mannequin, Salem, m'a fait un message un soir juste après la répétition que Dan avait besoin des mannequins pour une affiche de la Saint-Valentin. Okay. Et le lendemain, je me suis rendue au studio Matouche. C'est là que j'ai collaboré avec Dan. J'étais une égérie pour l'affiche de la Saint-Valentin. Et ensuite, j'ai connu Ray Kamena, un très bon photographe aussi, grâce à Cédric Isengoma, qui est mon manager. Ouais. Oui. Il fallait une prise des photos pour lancer la collaboration entre Awar et moi. Alors, c'est Ray qui a été le photographe. C'était pour quelle occasion? Aucune occasion. Juste la collaboration, en fait. Je suis en fait le mannequin du studio Awar. Ouais. Voilà. Je travaille avec le DG, Cédric. C'est lui qui me manage en fait. Et voilà. Et après, j'ai connu un dernier photographe, le dernier qui m'a photographié, Rico. Rico Film. En fait, là, avec lui, c'était pas grand chose, mais bon, il m'a quand même photographié. Voilà. Et cela vous a fait de vous, une star? Ah, vous êtes star parce que tout photographe vous veulent quand même. Non, pas une star, proprement dite. Je ne suis pas encore une star. C'est vrai que j'ai un peu de notoriété. Un peu de notoriété. Sûrement. Je sais user de cette notoriété, mais pas encore le stade de star, quoi. Alors, tout à l'heure, dès le début de notre émission, vous avez mentionné un truc que vos parents, surtout papa, qui ne voulait pas. Alors, pour vous, quel sera ce conseil-là que tu donneras à ces parents-là qui retiendraient leurs enfants, qui ne seront pas d'accord avec cette idée de devenir mannequin? Bon, c'est vrai que ce qui se dit sur le mannequinat n'est pas toujours assez acceptable ou encore noble, mais bon, après, il faut... En fait, il y a un état d'esprit. Quand tu es mannequin, tu te dis que tu es seulement mannequin et rien d'autre. Alors, à tous ces parents-là, je dirais que
faut pas en fait étouffer la passion des enfants. Plus tu étouffes, plus tu rallumes en fait la flamme et l'enfant va se rebeller après. Moi, je ne me suis pas rebellée, hein, j'étais majeure. Voilà. Il faut laisser les enfants faire ce qui leur chante. Leur choix, donc voilà. Il faut quand même les laisser faire le choix, les laisser choisir. Quand c'est noble, quand c'est avec un esprit carré, ça passe. Alors, nous sommes toujours dans cette question. Sur tout ce qui se passe dans ces métiers, un jour, tu seras mère des familles et tu voudras ce que ton enfant, voilà, devenir mannequin. Si un enfant veut, en fait, comme on dit, telle mère, telle fille, c'est une fille. Si elle veut être comme sa mère, ça pose aucun problème. Donc, vous serez compréhensive. Très compréhensive. Je dirais juste de rester sage, c'est tout. Sage. Très sage, d'ailleurs. Tu déconnes? Alors, nous poursuivons toujours notre série de questions-réponses. Alors, vous êtes toujours mannequin? Bien sûr, je suis et mannequin. Chrétienne aussi? Musulmane, chrétienne? Très chrétienne. Très mannequin, chrétien, c'est quelle relation? Non, mais attends, c'est quoi le rapport entre la chrétienté et le mannequinat? Bon, ça veut pas se coller, c'est ça? Explique-nous, vous êtes chrétienne... Non, mais ça colle pas, quoi. Ça colle pas. Comment ça? Non, mais être mannequin n'empêche... En fait, l'un n'empêche l'autre, non? Je suis chrétien, tu es mannequin, ça... Comment on peut être musulman, mannequin, athée, bon, mannequin? Surtout ce qui se dit sur ces métiers, tu l'as déjà très bien le fait d'être chrétien, alors aussi mannequin? En fait, je suis de nature... N'êtes-vous pas critiqué d'une certaine manière? Je suis de nature très s'en-foutiste. D'accord. Du coup, ce que disent les gens, en tout cas, je ne m'y intéresse même pas. J'ai mon objectif, je sais ce que je veux et je sais comment je gère ma vie. Un peu ça. Donc, ça n'empêche pas que je sois mannequin et chrétienne à la fois. Alors, pour vous, ce serait quoi cette chose qui pourra mettre fin à votre carrière quand vous regardez... Non, non, non. En tout cas, moi, à cause de cette chose, je ne suis plus mannequin pour la vie. Je ne sais pas. Je vois pas une situation qui m'empêcherait d'être mannequin. Ah. À moins que je le désire, que je décide toute seule que non, j'arrête, je ne suis plus mannequin, je prends ma retraite. Mais ce n'est pas qu'il y aura quelque chose. Bah, peut-être que si je suis enceinte, ça sera une pause, ça ne sera pas que j'arrête pour de bon. Alors, je ne vois vraiment pas. Je ne vois rien qui pourrait m'empêcher de continuer à être mannequin. Vous évoluez en solo, vous n'êtes plus engagé dans aucune agence de mannequins. Oui. Comment vous vivez cette indépendance-là? Vous êtes encore jeune, vous avez sûrement besoin d'être encadré. Alors, l'effet de quitter l'agence Je suis encadrée, mais de manière indépendante. Et par, vous le gérez très bien? Parle-moi très un peu bien, de ça. Ça passe. Comment ça se passe? Déjà qu'avec le centre culturel à Ouart, tout marche très bien. Quand il y a quelque chose, ils m'appellent et on gère et puis ça passe. Y a-t-il une raison qui vous a poussé d'être aujourd'hui indépendante dans cette carrière? Non, juste la soif de liberté. La soif de liberté? Bien plus. Ça s'explique? En tout cas, je ne sais pas par quel mot expliquer cette soif de liberté, mais... Bon, c'est juste la soif de liberté, rien de plus. Wow. Alors, c'est quoi vos projets d'avenir? Mannequin, tu évolues très bien pendant plus ou moins déjà combien de temps vous êtes mannequin? Officiellement, professionnellement, je dirais depuis 2016, de 2016 à aujourd'hui. Donc, il y a pratiquement 4 ans, presque. Oui. Alors, vos projets d'avenir, qu'est-ce que vous rêvez faire dans peut-être 6, 7 ans, 10 ans, étant mannequin? Étant mannequin? Si j'avais le pouvoir, j'aurais créé un autre événement de la mode, aussi grand que Congo Fashion Week. Parce que voyez-vous, il n'y en a qu'un seul. Et du coup, ça ne nous suffit pas. En fait, les projets d'avenir, c'est quand même compliqué. J'ai des projets, mais bon, il faut y réfléchir encore. Tout de suite, là, c'est un peu compliqué. C'est vrai que j'en ai, mais bon. Si ça restait un secret, ça serait cool, non? Donc, vous préférez que ça reste un secret. Donc, vous en avez là dans le cœur. Oui, on a plein de cœur. Voilà. Et dès que le moment sera venu, vous. Bien sûr, allez voilà, c'est d'ailleurs la meilleure des choses à faire. D'accord. Alors, merci beaucoup, Priscilla. Nous allons maintenant voir votre performance, ce que vous savez faire déjà, devant l'objectif du photographe, tout à l'heure d'ailleurs.
Vous allez nous montrer comment est-ce que vous faites vos photos, comment est-ce que vous résistez, votre professionnalisme aidant. Donc voilà, nous allons vous laisser un espace là tout de suite et on va se retrouver juste après. Fond des haïkus et de la rumba. Pour tout ce qui est de vos spots numériques, des annonces numériques, tout ce qui est visuel numérique, moi, je vous recommande l'agence Ma Touche Numérique. Priscilla Wello, étant une femme évoluant dans cette carrière de mannequin, c'est quoi la difficulté que vous rencontrez dans ces milieux de top model et aussi pour tout le mannequin en général? Oui, je voulais vraiment parler généralement, pas personnellement, parce que... Bon, mieux vaut commencer personnellement et généraliser après. D'abord, je vais généraliser. Ouais. Je vais parler d'une manière générale. En fait, les femmes dans l'industrie de la mode, surtout quand on est mannequin, il y a plusieurs difficultés rencontrées. Du coup, il y a des lobbying qui se passent. Voilà. Soit c'est du donnant-donnant et pour passer un casting ou pour être retenu quelque part ou être présenté, ou par exemple présenter la collection d'un styliste reconnu et tu dois passer par des choses qui ne sont pas très catholiques. Voilà. Et c'est très fréquent. Okay. C'est très fréquent. Mais bon, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais bon, je parle de manière générale. Voilà, c'est... Et pour les mannequins, le problème avec les mannequins, c'est que... C'est-à-dire, j'ai toujours dit, et je n'arrêterai jamais de le dire, les mannequins sont encore au bas de l'échelle. Ouais. C'est ça le problème. Et le problème, je pense que c'est, ça va aussi de soi. Quand tu veux te démarquer, il ne faut pas attendre qu'il y ait opportunité. Il faut se créer des opportunités. Les mannequins ne veulent pas créer. Ils attendent qu'il y ait un truc quelque part pour aller défiler et tout, alors que... en soi, on peut faire quelque chose de bien. En fait, oui, créer un truc qui peut te démarquer personnellement sans avoir à défiler chez quelqu'un et tout. Voilà. Je pense que vous avez loupé une question. Maintenant, je vais vous la poser d'une autre manière. Pendant vos collaborations, y a-t-il de ces gens-là qui viennent près de chez vous? Ils veulent des collaborations, mais après, ils veulent autre chose au retour? Ils vous payent, mais voilà, c'est tout autre chose là. Mais ça dépend de la personne que tu vas aborder avec ce genre de propositions, non? Ça ne peut pas compromettre votre carrière. Non, c'est vrai qu'il y a eu des compromis, mais après... Ça dépend de la personne à qui tu t'adresses quand tu viens avec un lobbying pareil. Non, mais c'est pas à moi qu'on va faire ça. Non, je me vante ça. Je rigole. Non, mais ça m'est jamais arrivé. J'ai rencontré des responsables, des personnes cultivées et tout. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé d'être dans une situation où je devais faire échange pour avoir une faveur ou pour... où je devais échanger mes services contre quelques faveurs ou un défilé ou un truc du genre. Pas du tout. Donc, ça ne vous est jamais arrivé? Jusque-là, bon. Clean. Jamais, jusque-là. Jusque-là, jusque-là, jusque-là. Ce que là, vous je suis clean. Jusque-là. C'est que vous évoluez très bien. Alors, il y a des gens qui nous regardent en ce moment... Et ils voudront, peut-être il y a une fille qui vous regarde, je sais pas moi, dans votre rue, qui t'apprécie beaucoup et qu'elle aimerait devenir comme vous. Quel serait ton conseil à toi personnellement adressé à cette fille?
Bah, en tout cas, force à elle, courage, qu'elle se lance, si c'est ce qu'elle ressent vraiment, si c'est ce qu'elle veut vraiment, mais seulement rester fort. Oui, comme j'ai dit, j'ai envoyé la force, en tout cas, il faut rester forte parce qu'il y aura vents et marées Exactement. et elle devra rester forte, mais quand même, j'encourage d'emboîter le pas, c'est très facile. Forte contre tout le fléau. Restez juste persévérante. Ok, ça Oui, ira. ça ira, il faut espérer. Ok. Alors, vous évoluez dans cette industrie de la mode et ces conseils-là est donné à cette fille qui vous regarde, qui vous adore. Vous avez aussi une page Facebook. Comment est-ce que ça évolue? Bien sûr, j'ai une page Facebook, j'ai Instagram. Ça évolue comment là? Des publications? Oui, j'ai publié hein, de temps en temps, je publie mon travail sur ma page et sur mon Instagram. Ça ne choque pas les publics, vous êtes mannequin. Pardon? Ça ne choque pas les publics. Bien sûr qu'il y a des trucs choquants, mais qu'est-ce que j'y peux moi? Je suis mannequin. Il y a une collaboration qui vous vient comme ça, des millions de dollars, on vous dit de poser nu. Le Ah. ferez-vous? Il s'agit des millions, hein, je te signale. Des millions de dollars. Il s'agit des millions. Priscilla, on te choisit. Je répète, Mettez-vous nu pour peut-être 20 millions de il dollars. s'agit des millions. Ouais. Un mannequin doit être prêt à tout, à tout, à tout, à tout. On est préparé pour ça. Comment Et puis, ça? il s'agit des Explique-moi. millions. C'est quand même lucratif. On peut pas louper des millions parce qu'on peut pas poster nu, non? Hein? Et après, on va prier et Dieu va pardonner. Il va pardonner après avoir commis Non, mais un quoi? C'est péché, quoi le péché? déjà connu que c'est un péché. C'est quoi le péché? Ne le définissez pas, ne le définissez pas. Pardon, selon vous, c'est pas un péché de faire ça. Donc cela N'est-ce pas dépend de que l'homme votre, vivra à ça la dépend de sueur de votre son métier. front, n'est-ce pas? N'est-ce pas écrit dans la Bible qu'on vivra à la sueur de son front? Alors si c'est par là qu'il faut passer pour gagner l'argent, alors que tu ne fais rien, mais tu postes juste. Ben, je trouve que c'est... Bon, je ne dis pas que... Bon, heureusement qu'il n'y aura pas un marché avec 1 million, c'est quand même imaginaire, c'est une illusion. Mais si jamais ça arrivait, on devient millionnaire et on poste nous, ça fait quoi? Rien. Ok, merci beaucoup Priscilla, pardon, Willow. Alors nous avons une série de quelques petites questions, vraies ou faux, que tu devras nous répondre, hein? Et après vous allez faire des commentaires, d'accord? Vous êtes D'accord. prête? Prête, comme D'accord. toujours. Fond des haïkus et de la rumba. Pour tout ce qui est de vos spots numériques, des annonces numériques, tout ce qui est visuel numérique, moi, je ça, je vous recommande l'agence Matouche Numérique. Alors, vrai ou faux, Priscilla Willow chante. Oh, vrai et faux. Je ne sais pas comment Vrai expliquer ou les deux. faux? Vrai et faux. Chante, vrai et faux. C'est vrai que j'étais à la chorale à une époque. À une certaine époque, je chantais à la chorale. Donc c'est vrai. Vrai ou faux, Priscilla Willow est rancunière. Oh, là, vous m'avez eu dans le sac, la main dans le sac. Je suis très rancunière. Alors, très rancunière. Très rancunière. Je ne supporte pas qu'on me fasse du mal. Et surtout qu'on ne s'en excuse pas. Ok. Alors là, vous serez ténu dans la plus grosse rancune. Donc c'est vrai. Vrai. Alors, vrai ou faux, Priscilla Willow a un enfant. Jeune Faux. mère. Faux, j'ai pas encore d'enfant. Ah, t'as pas gardé ton enfant quelque part? Faux. Vrai ou faux, Priscilla Willow rêve de devenir comme Naomi Campbell. Vrai. C'est un Ouais. modèle. Je l'adore. Tu l'adores. Alors, vrai ou faux, Priscilla Willow serait complexée face à d'autres mannequins. Totalement faux. Faux, 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 faux. Et archi faux. T'es Je ne sûr de suis toi? pas une complexée, même pas en rêve, quoi. Même pas en rêve. Un petit commentaire sur tout ça? Comment? Sur toutes les vraies ou faux? Toutes les questions vraies ou faux? Pardon? Un petit commentaire sur toutes les questions vraies ou faux? Bon, j'adore les questions. Déjà que j'aime qu'on me pose des questions et
Jusque-là, je vois aucune question qui sait de mon français, donc je peux respirer jusque-là. Alors, c'est déjà la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis dès le début de cette émission, Model and Star Story. J'espère que vous avez très bien aimé, pour nous, de notre part, de vous présenter l'une des top modèles, Priscilla Wello, déjà à qui j'ai dit merci. Et suivez-nous sur notre chaîne YouTube Leadership Moments. Là, vous aurez l'intégralité de cette émission. Hein, voilà donc. Et merci aussi à toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés. Grâce à eux, vous avez vu des très belles images paraître sur vos écrans. N'hésitez pas à aller liker et vous abonner sur Leadership Moments. Nous serons vraiment très ravis de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Alors, Priscilla Wello, un mot de la fin. Soyons unis, forts et. Ne jamais perdre à l'esprit que quand on est mannequin, on reste mannequin, on n'est rien d'autre. Jamais prêter attention aux dires des autres et voilà. C'est tout ce que je peux dire à tous mes collègues. C'est vrai qu'après, il y a des paroles qui découragent, il y a des traitements qui... C'est vraiment ça. Oui, il y a des traitements qui rabaissent aussi, mais après, quand on a à l'esprit que l'on reste mannequin et rien de plus, c'est comme ça qu'on va évoluer avec le temps et ça va aller. Ça, merci. Il n'y a que ça, merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu et m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Et à tous ceux qui veulent me contacter, veuillez m'écrire sur ma page Facebook Priscilla Wells. Et avec le même nom, je suis sur Instagram. Et pour tous ceux qui veulent avoir de mes services, me contacter, m'encourager, envoyer de la force. Et voilà, Priscilla Wells, Instagram, Facebook. Merci beaucoup d'avoir été Merci. La nôtre aujourd'hui. Nous sommes vraiment très contents. Ravi. Ok. Alors, merci, c'en est fini. Et bon tu des programmes sur votre chaîne Leadership Moments.